Coucou tout le monde, c'est Jotor Kao ou Joti pour les intimes. Et je vais vous le dire tout de suite, je suis assez dégoûtée car c'est la deuxième fois que ça m'arrive avec cette série. C'est que la première fois où j'avais enregistré, bah tout n'a pas été enregistré tout simplement. On est joie, on est content, c'est magnifique. J'avais fait quelque chose d'assez sympa. Bon, ok, le machinima m'a pris énormément de temps à faire, mais j'avais réussi à faire quelque chose et ça m'énerve parce que du coup, bah j'ai de une. Fini l'aspiration d'Ignis, qui était. C'était laquelle déjà? Quand on regarde bien, sélectionner une nouvelle aspiration. Je crois que c'était dans les Cognisciences. Et c'était cerveau exceptionnel, donc du coup, bah, j'avais réussi à lui faire finir parce qu'il me manquait un chouïa, un petit cheveu de logique bah, pour compléter le bordel. Et donc, bah, du coup, je suis assez dégoûtée. Et j'ai aussi débloqué bah, la pièce de l'aspiration ainsi que la pièce de une pièce qui était à côté à 3000 simflouz. Donc bah je vous montre quand même vite fait bah, ce qui a été fait en vite fait en coupure de vidéo ou du moins ce que j'aurais réussi à rechoper. Elle devrait compléter dans son aspiration d'ici 3 2... ah, c'est bon, attendez. Aspiration complétée. Ignis vient de réaliser son rêve de devenir extrêmement érudite. Elle possède non seulement beaucoup de connaissances théoriques, mais aussi une intelligence pratique. Yes! Trait de caractère gagné, bricoleuse. Oui, bon, vous en faites pas de toute manière, je vais mettre une autre aspiration après. Hein. Peut-être du côté de la famille, je pense que ce serait bien. Ignis peut réparer et améliorer instantanément des objets. Voilà, bah, j'ai vérifié. Et bah, la pièce qu'on peut débloquer, c'est la grande, là. C'est la grande. Et je pense même qu'en fait, je vais peut-être débloquer celle-là aussi en même temps. Parce qu'en fait, ça fait juste un trajet tout simple, direct, jusque-là. Sauf que là, cette pièce-là, je saurais pas quoi en faire. Donc, bah, déjà, moi je dis. Eh, non, c'est la porte. Débloquer. Monnaie. Ou alors, faut que je mette le testing sheet avant. Je vais le mettre. Ah, mais je ne sais plus écrire testing sheet. True. Money. Money, money. Donc, c'est. 9631. Donc voilà, moins 3000. Donc c'est bon, bah cette pièce est officiellement débloquée. Bah comme c'est du 3000, en fait, la pièce, j'hésite quand même à la débloquer. Mais, on s'en fout au final. Allez, on débloque. Oh, on en a marre d'attendre. 6600. Mais, pourquoi ça volait pas? 6630 gang. Voilà, moins 3000. On débloque. Bah j'ai réussi à choper ce que j'avais pu choper déjà, c'était pas mal, mais bon. Donc bah du coup, comme vous l'aurez deviné, Ignis est enceinte. C'est une très très bonne nouvelle ça. C'est même génial parce que bah faut quand même avancer le challenge et bah voilà, ça serait bien quand même. Donc du coup bah j'ai utilisé le mode week-end pour gérer la grossesse parce que honnêtement 3 jours. Sur ce coup-là, ça allait pas être gérable, surtout que j'ai un gros machinima à préparer ensuite. Surtout le mariage, il va me prendre du temps ce machinima. Je vais y passer toute ma semaine, mais c'est pas grave. Donc du coup, bah en théorie, c'est 20 jours de grossesse. Et là, bah j'ai 5 jours en fait à passer au premier stade. Je pense que ça sera bon de toute manière. Si elle est au deuxième stade pour le machinima, ça dérange pas. Mais pourquoi je fais cuisiner alors qu'elle peut tout simplement prendre des restes? Et Brayden, toi tu travailles pas aujourd'hui, je crois. Est-ce que tu travailles? Non, on est là en Wakanda. Bah, tu vas aller faire pipi. Et en plus, bah. Oui, je sais, le week-end. Oh, mais pourquoi est-ce que ça s'active, moi, quand je parle? Donc, bah, en plus, bah, j'ai fait la chambre de leur futur enfant, qui sera bien sûr une fille. Parce que dans le scénario, c'est comme ça. Leur premier enfant, c'est une fille, c'est Kamina. Et. J'espère qu'elle vous plaira. Mais pourquoi est-ce que j'ai tout plein de trucs là? Mais arrêtez de m'embêter! Du coup, bah, la chambre de la petite, ça sera ça. Je vous montre. Attendant! Je suis pas douée avec le. Ma. C'est quand même chou. Hein. Ok, il y a des CC et tout ça, mais. C'est pas dégueu. Hein. Je devais quand même peut-être changer la lampe qui devait être au plafond. Bon, c'est pas grave, au pire. C'est qu'un détail parmi tant d'autres. Ah 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 ah.
Donc bah du coup nous, malgré que Ignis soit enceinte, notre objectif ça va être tout de même de s'occuper d'elle et que bah elle est quand même sa promo. Ça coule. Allez, causez, braves gens. Mon jeu grame un petit peu, je remarque. C'est un petit peu chiang. Bon, peut-être en même temps parce qu'à côté j'ai plein de trucs d'ouvert, mais bon, c'est pas ma faute. En même temps, j'ai plein de gens qui me parlent, mais arrêtez de me parler, les gens! Je préviens quand je tourne. Ça m'énerve du coup, il n'y a aucun d'eux qui travaille. Travaille dans 3 jours. Bah, j'imagine qu'il serait peut-être temps quand même de leur faire une petite sortie, genre un... Ah ouais. Ok, un rancard, je crois que... C'était pas le dernier épisode où on en avait fait un, ou il y a 2 épisodes. Bon, je suis fan des rancards, j'aime bien leur faire des rancards, c'est cool. En tout cas, là, ça va, il est 9 h du matin, puis hormis s'occuper de la maison. Quoique non, c'est vrai, il y a plein de trucs à faire à la maison. Elle a envie de faire pipi! Et là, le truc qui est bien, c'est que je tourne en même temps que la semaine des triples avantages. Donc ça, c'est cool. Mais pourquoi est-ce que... Ah, ça m'énerve quand c'est comme sag. Voilà, divertissement, mon petit Brayden. Je voulais quand même que tu continues à t'améliorer. Je veux que tu chantes des chansons. Comme ça, quand tu auras la toute petite dans tes bras, je crois que tu pourras lui chanter comment est-ce que ça s'appelle déjà? Tes berceuses, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'Ignis doit aussi améliorer sa compétence chant. Oh, c'est vrai, j'avais un ton! Parce que oui, je l'avais fait un petit peu pêcher parce que voilà, c'est cool la pêche. Bowling niveau 1. Ah, oh, c'est nul ça. Chant, 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 ça se trouve, je suis passé devant. Là, j'ai dû passer devant. Ouais, niveau 5, bon, ça va, niveau 5, c'est pas la mort. Regardez comment notre petit jardin, il est trop mignon maintenant. Avouez, c'est juste trop mignon, c'est juste trop pipou. Par contre, Ignis, c'est bien, mais tu pourrais au moins t'habiller. Ah ouais, vas-y. Allez, viens, papa. Pregnancy, non, j'ai changé de tenue par contre. Et oui, du coup, bah, je lui avais refait en même temps tout un panel de petites tenues. Parce que bah c'est bien sympa. Mais il faut savoir changer parfois. Je mets laquelle? J'aime bien celle-là. Mais pourquoi est-ce que tu toques là? Allez, on va parler avec notre petit papa après tout. Partager un secret. Oh, faut aussi qu'on lui partage la grande nouvelle. Papa, je suis enceinte. Mais ça rame de trop. C'est trop chou. Il est content, il va être grand papa. On va continuer à parler avec après tout. Mon petit Brayden. Ouais, en plus, il fait ça dans la chambre de la ptiote. Bon, heureusement que le bébé n'est pas né, hein. Parce que sinon, elle aurait gueulé, la petite. Et où est-ce qu'on en est, nous, niveau guitare? Niveau chant, niveau 7. Oh, c'est bien. Guitare niveau 9. Oh, ça veut dire qu'il va peut-être. Ah! Ah, ça serait trop cool s'il pouvait être niveau 10 d'ici peu. Oh! Damned! On n'a plus d'électricité. Bon, bah, je fais ça en vidéo. Pourquoi est-ce que ça veut pas? Voilà. Testing shit. True money. Que voilà. Je suis nulle en calcul mental. Je reviens. Ouais, bah j'ai fait mon petit calcul mental. Merci la calculatrice. 13 000 91. Je rappelle en fait, bah, pour ceux qui prennent la série au cours de chemin, si on paye pas en fait les factures, c'est tout simplement parce que en théorie, dans le vrai challenge,
C'est le maire en fait de la ville qui s'en occupe. Sauf que dans le cas actuel en fait, c'est plus bah Jeff qui s'occupe de tout ça, qui aide Ignis tout simplement à s'installer parce que sinon bah ça serait la grosse merde. Donc bah, voilà. Donc du coup bah nous on est bien. C'est vrai que Bryden aussi, faudrait que je commence à lui changer son style. D'ailleurs, vous êtes plus quoi, vous? Vous êtes plus cheveux longs ou cheveux courts? Parce que je suis désolée, mais c'est pas que voilà, mais au bout d'un moment, peut-être qu'il faudrait. Non, peut-être que je lui ferais légèrement pousser un chouïa les cheveux. Parce que après tout, on imagine que ça doit faire peut-être un an qu'il vit avec Ignis. Après tout, c'est totalement possible. Surtout qu'avec les saisons, là, ça va être bien parce que vraiment, on va voir en fait le défilement du temps. Et ça va être tout simplement génial. Va dire, bah, va jouer un petit peu. Coupe-toi, gars. Et notre Ignis, du coup, avec son papa. Regarde du coup, ils sont mignons quand même, tous les deux. Ils se ressemblent absolument pas, c'est normal, c'est parce qu'elle a été adoptée. Ah, faut qu'elle ait. D'accord. On est content. Ah ouais, je vais cadrer. Encadrer aussi. On est super content. Non, 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 non. Il nettoie avant. Non mais Jeff, je voulais pas. Bon, du coup, nettoyer le filtre. Oui, les poches, faire la lessive, mettre dans le lave-linge. Bah oui, bah on doit continuer malgré tout de s'occuper de la maison, hein. Et alors je pense à un moment ou un autre, je sais pas en fait, si je leur fais adopter un chat ou pas. Parce qu'après tout, la maison sera bien nombreuse parce que au total, bah il y aura Ignis, Brayden, Kamina, les jumelles. D'ailleurs, faut que je les renomme parce que ça fait des années que ce sont des personnages que j'ai créés, mais je voudrais tout simplement les renommer pour changer un petit peu et parce que ça sortait. C'est des personnages parfois qui ressortent de mon adolescence. Et comme là maintenant je suis bah, adulte, j'aimerais quand même mettre un brin de maturité dans certains prénoms. C'est pour ça que tout ce qui est prénom japonais, parfois je m'en éloigne un petit peu, hein. Sans être méchant. Donc oui, bah ouais, je crois que je vous avais dit ou pas, mais ces pièces-là, là, c'est de là. Je sais pas du tout quoi en faire. Donc pour le moment, bah je ne fais rien. Je n'en fais rien. J'avoue qu'on pourrait peut-être modeler de l'argile. Je sais même pas si modeler de l'argile, ça occupe en fait. Une simanite? Une quoi? Faire la lessive, mettre dans de la linge. Attends, une quoi? Sérieusement? Insolite? Je savais même pas que ça existait. Voilà, donc en théorie. Voilà. Et c'est bien parce que du coup, on se retrouve pas cramé. Oui, parce que. Malgré les mises à jour qu'ils ont fait, la machine à laver peut parfois prendre feu. C'est la même chose avec le sèche-linge quand on nettoie pas le filtre. Peut-être que vous, ça vous est arrivé. Et dans ce cas-là, je ne l'espère pas. Ouais, je pense qu'on va peut-être adopter un chat à un moment ou un autre. Ce serait cool. Ouais, je vous discute avec beau-papa. Putain, vous vous connaissez même pas? Présentation chaleureuse. Comment ça se fait qu'il est enjôleur? Je n'en ai aucune idée. C'est bizarre, normalement ils se connaissaient. Ah, c'est peut-être parce que, à force, quand les Sims ne parlent pas trop l'un envers l'autre, leur relation diminue au point de disparaître, ce que je trouve en somme ridicule. J'avais remarqué ça aussi chez les vidéos de chat. Je vais mettre aussi sa vidéo, enfin sa chaîne en description parce que. Ce qu'elle fait, c'est juste génial. Mais pourquoi est-ce que tu pars? On était en train de parler entre bonhommes.
Bon, faut vraiment que je rattrape la relation avec le beau papa. Hein. On est d'accord là-dessus. Du coup, continue de jouer, mon coco. Hein. Alors, est-ce que ça augmente? Non, absolument pas. Ça ne fait rien. Ça ne sert à rien. Bah, tu sais quoi? On va jouer avec notre mari parce qu'après tout, voilà. Rejoins la partie. C'est toujours sympa de faire des petits jeux comme ça de société avec notre mari, au lieu de faire des galipettes. N'empêche, je suis contente parce que la maison commence vraiment à avoir de la gueule en fait. Mais jouer ensemble. Que quand on remarque sur quoi on débutait, bah franchement c'est totalement différent maintenant. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir toute la maison pour pouvoir défoncer ce mur-là. Et pour pouvoir même agrandir la salle de bain. D'ailleurs je l'avais dit sur l'autre vidéo, mais comme ça n'avait pas enregistré. La joie. Oh, là, oui. Festival des épices. Afficher les informations. Bah voilà. On part au Festival des épices et... Ouais, franchement, c'est bizarre parce que il y a des relations à baisse alors que qu'elles devraient pas. D'ailleurs, oui, c'est vrai, faut qu'on continue à causer avec notre ami. Oui, bon, pourquoi est-ce que je tergiverse à chaque fois? Allez, on y va. Où ça va? Et nous y revoilà. Et qui c'est qui chante? Ok, c'est le papa de Mokhtar. Et pourquoi est-ce que Logan est toujours dans mes vidéos? J'en ai aucune idée. Donc du coup, nous... Ah, oh, c'est bien, il n'est pas buggé. Oui, parce que ça m'arrive que tout ce que je fais dans ce jeu soit buggé. Donc nous, ce qu'on va faire, bah, c'est récolter tous les produits. Parce que n'oublions pas que nous devons nous faire de l'argent. Et que l'argent, c'est bien. L'argent c'est génial, il nous en faut. Oh, j'ai le jeu qui rame un petit peu là, c'est assez dérangeant. En plus il y a des fruits du dragon. Ça c'est top et je pense peut-être qu'on va tester le truc. Peut-être. Allez, hein, allons au festival de la nourriture, des épices où je... Il y est déjà avec sa future femme. Enfin, techniquement on devrait dire fiancée, mais future femme ça... Ça compte aussi, non? En théorie, oui, ça devrait compter. J'aime bien l'ambiance du Festival des épices, c'est... C'est relax, c'est assez détente. La musique un petit peu country, je suis pas fan, mais ça va, c'est cool. Ensemble dans 5 jours. Ah! Donc nous, qu'est-ce qu'on peut manger? Bah oui, c'est ce que j'allais dire, je voulais qu'on fasse. Tenter le défi du curry et épicé ensemble. Du coup, en plus, bah, comme ils ont faim. Mais avec le bébé dans le bidou, je sais pas si c'est une vraie bonne idée, ce défi-là. Non, mais Brayden, assieds-toi là. Assois ensemble. Ah, c'est Sims. Ah, il a échoué. Ça m'étonne même pas. Et j'ai pas l'impression que Nice elle réussisse. Ils sont tous les deux nuls. On est d'accord là-dessus. Ils sont vraiment. Non, non, c'est pas possible. Plus, ce qui est drôle, c'est que. Oh, et si on allait faire une petite visite à notre frangin? Eh, après tout, on est juste à côté. On va aller voir notre frangin après tout. Regardez la thune qu'il a! Et que nous on est en train de galérer, mais qu'il a un appart de merde là! Bon, de toute manière, Estor, vous le savez très bien, il va très très vite déménager. Enfin, ouais, au prochain épisode il devrait déménager, donc techniquement je devrais faire un machinima. Machinima déménagement avec le avant-après de l'appartement que j'ai trouvé dans la galerie. D'ailleurs, appartement qui est super sympa et que. Bah, je vous donnerai de toute manière le nom du réalisateur dans la description parce que je trouve que c'est important de noter quelle personne a fait ci, quelle personne a fait ça.
C'est pas franchement. Enfin, je sais pas si on peut vraiment qualifier de ça de droit d'auteur ou pas. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui quand même a pris du temps à faire cette construction-là. Donc techniquement, on devrait quand même la remercier. Le ou la remercier. Un élément de construction a été supprimé. Ah bah ça arrive. T'as envie de faire pipi? Allez. Allez-y. On a envie de faire pipi. On ira faire pipi chez le frangin, après tout. Du coup, est-ce qu'on voit aussi le... Ouais, on voit le truc. Coucou, Estor. On va te partager un petit secret. Ah, bon, je vais devoir ramasser ça au prochain épisode, je pense. À se faire pipi dessus. Vous êtes obligé d'aller dans le couloir pour vous parler. Démasquer le méchant suprême. Ah, mais oui, c'est vrai! Comme Estor, il est scientifique. Oh non, non, ce. Oh! Oh, ce drama! Bon, par contre, oui, on devrait peut-être juste. Bah, faire pipi, là. On lui parle et on va juste faire pipi. Et peut-être qu'on va faire l'interaction parce que je sais pas du tout ce que ça fait. Brayden, bah lui, il. Et. Je sais pas en fait si on peut jouer directement. Ouais, mais si c'est ensemble en fait. Bon, Brayden, tu restes sage. T'es sage, d'accord. Ne bouge pas, t'es un beau garçon. Où est-ce qu'on est? Là, le mal à l'aise, oui, c'est tout. Oui, c'est à cause du mode wicked en fait qui se retrouve les fesses à Walp quand ils font leurs petits besoins. C'est pour plus de réalisme, vous voyez? Estor va falloir qu'il fasse. Oui, on va peut-être lui partager la grande nouvelle. Après tout, Estor va devoir s'occuper de Kamina pendant un temps. Parce que, voilà, il y aura bien du drama et que ce drama-là, vous allez pas y passer. Enfin, vous allez y passer. Mais est-ce que c'est un méchant en fait démasqué? Ouais, c'est ça. Donc, je pense pas qu'on devra en fait. Conversation profonde. Parler de cuisine alors qu'ils disent la cuisine c'est pas son truc. Moi je fais cramer tout ce que je fais. Mais je le sais, Agni, je le sais. T'as déjà fait cramer une maison une fois. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, je suis en train de me parler toute seule. Et alors? Je suis la folie. Le pauvre Brayden qui est en mode. Ah, c'est sympa ici. Pourquoi j'ai décidé de pas vivre en appartement? Ah ouais, tout simplement parce que mes parents vivent en appartement. Et que j'ai jamais supporté de vivre avec eux. Voilà pourquoi. Demandez un petit prêt. Non. Non, 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 je pense que si la relation est bien augmentée, ouais, peut-être qu'on pourrait, mais bon, ça se fait pas, quoi. Non, c'est cool, parce que franchement, leur relation, c'est quelque chose de bien. En plus, bah là, ça fait un petit peu réunion de famille. Oh, mon ami, ouais, oh, franchement, je sais pas pourquoi est-ce que les relations baissent autant que ça. On veut un câlin. Estor, je veux mon câlin. Pourquoi draguer? Ah oui. C'est parce que j'ai autorisé l'inceste. Non, avec le mode. Demandez pas pourquoi c'est. Attends, en théorie, ouais, ils sont frangins, attendez. Que je vérifie. Ouais, enfin, demi-sœurs, mais non, en réalité, ils sont vraiment frangins, quoi. Parce qu'en théorie, ils ont la même mère. Et c'est juste que Jeff a décidé de les adopter. Sinon, ils sont vraiment frangins, quoi. On peut pas se vanter de sa famille pour le moment, on est toute seule. Enfin, toute seule, il y a Brayden, mais c'est pas la même chose, quoi.
Si on était... Ah. Oui, Brayden et Esther ne se supportent pas, on sait bien. Ah oui, du coup, bah en même temps, je peux peut-être compléter son truc. Technique qui drague, mais pourquoi? On va chercher des pièces et on va jeter. Hein. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu chiant de voir tout ça. Il en a tellement rien à foutre. Alors, squat en fait. Il est tellement méchant avec son beau-frère. Donc, roi des bêtises, on en est à 3. Oh, ça veut dire qu'on a bientôt complété. Boucher les canalisations dans 3 maisons différentes. Comment est-ce qu'on fait? Machiavélique! Je savais pas qu'on pouvait! Ah, du coup, bah, elle va retourner parler avec son frère. Pourquoi est-ce que la relation est à zéro? Alors que là, ils sont potes. C'est bizarre. Est-ce qu'il a réussi à... Non, je veux vraiment qu'il la bouche, la canalisation. Ah mais non, mais il se fait choper à chaque fois. Je sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Ah ouais, en fait, je crois qu'il faudrait simplement profiter du temps qu'il aille dormir, mais ça se fait juste pas. Oh. Bon, non, de toute manière, on va rentrer. Il est minuit. Bye bye, Esther. C'était bien sympa. La prochaine fois, on se fait une bouffe. Et de toute manière, comme il va y avoir saison qui va sortir, crois-moi, enfin, croyez-moi, des repas avec bah, des repas de fête de fin d'année, Nouvel An et tout ça. On va en faire un. Je vais en faire un avec le machini en machinima. Surtout qu'il va y avoir la petite Camina bah, qui sera née d'ici là. Donc, ça va être tout simplement trop, 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 trop cool. Oh, mais ouais, ça va être génial. On le connaît, c'est notre mari. On connaît, on sait à quel point est-ce qu'il est taquin. Donc en théorie, on devrait pas trop l'embêter avec ça, mais c'est vrai que aller embêter notre frangin comme ça se fait pas. Non, ben on va manger avant d'aller dormir. Hein. Du coup, est-ce que Ignis travaille demain? Non, là, comme on est samedi, encore ça va. Mais bon, j'aimerais vraiment en fait que bah ou alors j'aimerais ouf, je sais pas. Je sais pas, parce que vraiment j'aimerais tout simplement bah, qu'elle ait sa promotion. Donc bah, je vous reprends d'ici le temps à ce qu'elle ait ou pas sa promotion. Et voilà, après des jours où j'ai galéré à la faire bosser, voilà, j'ai enfin le niveau 8 de la carrière pour Ignis. Donc bah, j'étais vraiment partie pour la mettre agent de diamant. Et bah, son mari, Brayden, il sera méchant. C'est logique et c'est drôle en même temps. Donc, agent de diamant, vous avez gravi des échelons et disposé d'une habilitation inégalée. En tant qu'agent de diamant, toutes vos missions seront critiques et aucun faux pas ne sera toléré. Les récompenses incluent la base de données d'information. Ok. Donc voilà, bah nous, on gagne désormais 86 de plus par heure, soit 173 de l'heure au total. Oh, ça va faire du bien, ça. Donc, on a 1000. 300... Enfin, 1039, c'est plus en plus. Un satellite espion. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais je pense qu'on va le vendre. Donc, moi, je pense que je vais vous laisser. Ah non, c'est quoi en fait? Ah, peut-être que si on le met d'un côté, genre caché.
Genre sur la cheminée, ça ne se verra point. On va le foutre là, voilà. C'est rigolo. Donc, sur ce, moi je vous fais de gros 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 bisous sur vos fesses rebondies. Oui, on fait un petit zoom sur Brayden pour une fois, avec son magnifique linge. Et je vous dis à la fois prochaine!